Ça va? Ça va. Oui, je vais bien. Je suis avec qui? Wina. Quoi? Jolika. Entre l'homme et la femme, qui doit faire le premier pas? Moi, je me dis que c'est l'homme parce qu'il y a certaines femmes ou il y a certaines filles qui n'ont pas assez le courage de faire le premier pas. Pourquoi? Je sais pas, peut-être elles ont peur de se faire recaler ou voilà. Tu l'as une fois fait ou bien? Jamais. Jamais, pourquoi? Parce que j'ai peur de me faire recaler. Non, en fait, ou bien t'as l'excès de confiance en toi? Non, non. Juste, t'aimes attendre? Ça me dérange pas. Oui, ça me dérange. Et parfois, il y a des hommes aussi qui aiment attendre. On va attendre comme ça. En ce moment, un couple ou célibataire? Un couple. Un couple. Oui. C'est... Et toi? Pour moi, l'un peut faire le premier pas comme l'autre. Mm-hmm. Mais généralement, c'est les garçons qui font le premier pas. Parce que quand une fille fait le premier pas, c'est mal vu. C'est généralement mal vu quand une fille fait le premier pas. Non, mais il y a des exceptions. Oui, il y a des exceptions, mais... Ils diront toujours que oui, la fille, pourquoi elle fait le premier pas? Ce sera toujours bizarre. Mais moi, personnellement, ça ne me dérange pas de faire le premier pas. Tu l'as une fois fait? Ouais. Ah bon? Ouais. Et résultat? Je suis en couple avec lui. Jusqu'à présent? Oui. Jusqu'à présent, wow, no, nice. Es-tu capable de pardonner l'infidélité? L'infidélité... Bon, disons que si mon gars me trompe, moi je me dis qu'il va le refaire une deuxième fois. Moi, je ne vais pas te garder rancœur, mais juste que moi, la relation, ça s'arrête là. Comme ça? Comme ça. Tu ne cherches même pas à savoir qu'est-ce qu'il a motivé à faire ça. Pourquoi il va me tromper? Mais chaque chose a des raisons. Oui, je ne sais pas. D'accord. Si d'abord, j'accepte que tu préfères quitter. Mais mieux vaut connaître les raisons d'abord. Oui, je vais connaître les raisons, d'accord. Et après, tu vas le quitter. Et après, je vais le quitter. Et si durant votre discussion, il réussit à vous convaincre? Si il sait que... Je ne sais pas s'il sait qu'il n'est plus bien avec moi et qu'il veut le faire avec une autre. Qu'il me dise clairement, voilà, c'est comme ça la relation. Tu ne peux pas faire ça pendant que toi et moi, on est ensemble. Pardonner la fidélité. Pardonner. Oh, ça c'est délicat. Hein? Moi, bon, je ne vais jamais pardonner en vrai. Peut-être je vais te dire oui. D'accord, je te pardonne, mais en vrai, et même si je vais rester avec toi, ça sera plus jamais pareil, plus jamais, parce que je considère que quelqu'un qui peut me tromper une fois, c'est pas dire qu'il va le faire 10 fois. Et surtout si c'est une relation, parce que quand on est marié, c'est autre chose, c'est vraiment autre chose quand on est dans la vie maritale et tout, mais quand c'est les relations à terre là, des fois je préfère dégager, c'est mieux. Comme ça. Dernière question. S'il y a une chose que vous avez la possibilité de refaire dans votre vie, une erreur que vous avez faite et qui vous hante jusqu'à présent, laquelle serait-ce? Vous avez la possibilité quoi, de corriger une erreur que vous avez faite? Bah. Bon, je ne sais pas, posez la question le temps que je réfléchisse parce que là. Ok. Moi. Si tu avais l'opportunité de corriger la pire bêtise que tu as fait. Ah. Bon, je ne vois pas une bêtise que j'ai faite que je regrette. Pas quelque chose que j'ai fait dans ma vie et je regrette. J'assume tout ce que j'ai fait, c'est moi qui l'ai fait. Donc il n'y a pas à regretter. Donc tu regrettes rien de la vie. Donc si j'entends bien, toi tu fais partie du lot qui dit que les erreurs t'ont permis à devenir celle que tu es maintenant. Oui, c'est exactement ça. Okay. Et toi? Franchement, j'ai réfléchi jusqu'à présent. Quelle est la pire bêtise que tu as fait donc pour faciliter? Franchement, je n'ai rien fait. Pire erreur que tu as fait? J'ai rien fait de. Tes parents n'ont jamais grondé, giflé et tout? Ils m'ont déjà grondé peut-être parce que j'ai pas eu de bonnes notes ou quelque chose comme ça, mais jamais parce que. Ta plus mauvaise note, c'était quoi? 5. 5 sur? Sur 20. Donc, donnez vos comptes Instagram. Déjà, vous écoutez de la musique? Oui. Et toi? Ouais. Donc, selon vous, qui est le meilleur artiste sénégalais que vous connaissez? Moi, j'écoute pas de chansons sénégalaises. Hein? J'écoute pas de chansons sénégalaises. Pourquoi? Je sais pas. Et toi? Moi, il y a un artiste que j'aime bien, mais je connais pas son nom. J'écoute juste sa musique. Il est assez populaire, mais. Je connais pas. Essaye de chanter un peu. Après, je connais pas ses chansons en fait. Mais tu dis que tu l'écoutes gay. Mais je l'aime. Vigie? Chante. C'est Vigie. Je sais pas. Je connais même pas son nom.
Donc en fait, donnez vos comptes Instagram. W-N-E-R-X-O-X-O-X-O. Voilà. Et toi? Jolika. Jolika seulement. Jolika. Joli et K. Jolika. Comme un joli K. Genre joli. Joli et K. Ok. Jolika. Ok, merci, ça a été un plaisir.